Ça se passe à Fallout, se retrouve pour la vidéo Lego ouverture. Aujourd'hui, ouverture d'un déco multipack, donc de la nouvelle série de cartes à collectionner Ninjago série 7. Et aujourd'hui, on attaque le multipack de la LE6. Donc du coup ici vous avez la carte édition limitée de Brazera édition limitée du coup qui porte le numéro LE6. Du coup ici vous avez la carte Lloyd Action, c'est une carte personnage spéciale, c'est la carte numéro 13. Ici vous avez la carte personnage spéciale Zayn Mega, c'est le numéro 17. Ici, vous avez la carte Arine BD, c'est une carte personnage, la numéro 19. Ici, vous avez la carte Zayn BD, c'est la carte numéro 35, c'est une carte personnage. Ici, vous avez la carte personnage Jay Puissant, c'est la carte numéro 36. Ici, vous avez la carte Call Mega, c'est la carte personnage spécial numéro 42. Ici, vous avez la carte Jay Ultra, c'est la carte numéro 40. Ça, c'est une carte personnage spéciale. Du coup, ici, vous avez la carte personnage numéro 50, Kai Puissant. Du coup, ici, vous avez la carte Zayn Action, c'est une carte personnage spéciale, c'est la numéro 53. Du coup, ici, vous avez la carte numéro 77, Sora Ninja Novice, c'est une carte personnage. Du coup, ici, vous avez la carte personnage Rapton BD, c'est une carte donc personnage numéro 84. Du coup, ici, vous avez la carte personnage Dorama, c'est la carte numéro 86. Du coup, ici, vous avez la carte Rapton Action, c'est la carte numéro 111. C'est une carte personnage spéciale. Ensuite, ici, vous avez la carte numéro 112, professeur Laro BD. Ensuite, ici, vous avez la carte garde squelette fort. C'est la carte personnage numéro 140. Du coup, ici, vous avez la carte personnage équipe chevalier, guerrier et garde squelette. C'est la carte numéro 149. Ici, vous avez la carte action danse. Il y a la carte numéro 159. Du coup, ici, vous avez la carte action numéro 162, dragon d'énergie. Du coup, ici, vous avez la carte action 165, dragon de compagnie. Ensuite, vous avez la carte action numéro 166, le monastère. Ici, la carte action mains enflammées, c'est la carte numéro 177. Ici, vous avez la carte action rugissement, c'est la carte numéro 182. Ensuite, ici, vous avez la carte action allumage, la carte numéro 184. Du coup, ici, vous avez la carte action numéro 186, Red Dragon. Ensuite, la carte piège fusion, c'est la carte numéro 192. Du coup, ici, vous avez la carte piège chien de garde, c'est la carte numéro 194. Ensuite, ici la carte véhicule numéro 210, l'aéroplanche.
coup, ici, vous avez la carte véhicule, la moto de Sora, la carte numéro 213. Petite carte puzzle avec ici la 240, Kai BD. Et enfin, après tant de boosters ouverts, on a enfin la première platine, enfin la première édition dorée, Arin Surpuissant, qui est donc l'équivalent des platines, donc une chance sur 25, donc c'est la 256. Donc voilà, donc si c'est tout ça, je vois plus sur lui, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de vos cheveux, vos commentaires. Et voilà, bah du coup, c'était M. Harper qui vous dit bye!